Salut à tous, c'est Stargill32 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire du Lego Star Wars. Enfin, faire du Lego Star Wars. Vous m'avez compris, on va tout simplement présenter cette magnifique mock Lego sur une plaque blanche et donc du coup la planète Hoth. Comme vous l'avez deviné, bien sûr. Donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager, voilà, exploser la barre des pouces bleus, abonnez-vous, si on pouvait arriver à 100 abonnés avant la fin du mois, ça me ferait plaisir. Aux 100 abonnés, si ça se trouve, quand je tourne cette vidéo, on est déjà arrivé. Donc, si on pouvait arriver au moins aux 1000 abonnés, ça me ferait plaisir. Bref, donc, cette petite base, comme je vous dis, je l'ai fait sur une plaque blanche. J'ai fait deux autres bases comme ceci, une verte et une grise que je vous présenterai dans cette série à venir, bien entendu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le champ de bataille et ensuite on va passer à la base. Voilà. Donc, le champ de bataille, on va tourner un peu. Ici, nous avons un Stormtrooper, je pense que vous l'avez reconnu, hein. Les Stormtroopers de l'épisode 8 du Dernier Ordre qui volent avec la tête de clones. Voilà. Alors, juste ici, on a un Stormtrooper du premier ordre qui court. Ici, on a un Stormtrooper du premier ordre qui est caché derrière une sorte de dune de neige. Comme vous le voyez un peu, j'ai fait du relief par là, ici, ici aussi, là, là. D'ailleurs, là, on peut croire. On peut faire en sorte que ce soit une base, un bunker pour le premier ordre, on ne sait pas. Ici, on a. C'est pas un Flamethrower. Si vous retrouvez son nom dans les commentaires, il me semble que c'est un Flamethrooper. Hein, un Flamethrooper. Je suis pas sûr. Donc, si vous retrouvez son nom, n'hésitez pas à me le signaler. Ici, on a un Stormtrooper de l'Empire. Du film Solo Star Wars Story. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Voilà, je vous rapproche un peu le personnage. Voilà. Il est fait comme ça. On peut remarquer d'ailleurs que ce petit personnage gris, qui tient pas, est en train d'attaquer Luke Skywalker. Comme vous le voyez juste ici, Luke Skywalker en mode Hoth, qui avant avait tranché la tête à ce Stormtrooper de l'Empire. Voilà. On peut remarquer d'ailleurs qu'il a perdu son petit flingue ici. Et que ce Stormtrooper ici, on va l'appeler Stormtrooper, hein, a tué ce rebelle, donc de l'épisode 4. Voilà. Je trouve assez stylé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi oui. Comme ceci. D'ailleurs, il a perdu son petit flingue ici. On va le remettre. Et donc, du coup, le rebelle vient pour le venger. Ça, c'était le champ de bataille avec tous les reliefs. Maintenant, passons à la base. Comme vous avez vu très récemment, sur la base, on a un rebelle mort. Des petites antennes par-ci, par-là. Ici, pour capter la radio. Ça tourne pour capter la radio. Des petits tuyaux. Le signe de l'Empire. Pourquoi le signe de l'Empire? Parce que si vous voulez, avant cette base appartenait au Premier Ordre et à l'Empire. Mais elle a été volée par les rebelles. Et l'Empire a décidé donc du coup de le récupérer. Tout simplement. Ici on a des petits murs. Voilà. Des petits reliefs par-ci par-là. Ici, par exemple. Ici, on a le garage qui est fêlé. Une petite vitre. Ici, on a des vitres. Le garage ici, où on voit l'intérieur, une caisse ici. Là, un petit truc rouge pour dire que ça s'ouvre. Juste ici. Ici, donc là, on a juste une partie de la base. Donc, ne faites pas attention au logo police, hein.
J'avais pas d'autres briques. Bon, on fait ce qu'on peut, hein, merci. Je m'emporte. non, si vous voulez, si j'avais eu plus de place, plus de briques blanches, j'aurais fait une grande base comme ceci. Mais là, du coup, j'avais pas assez de briques. Et puis ça fait genre style, on prend juste une partie de la base qu'on prend juste ici, et puis voilà. Ici, on a princesse. Ça tient pas ce truc, hein. Non. Ici, on a princesse Layla qui, du coup, princesse Layla travaille sur les PC. Donc, c'est une figurine de collection avec tête jaune, 2020 years old. Les 20 ans de Lego, Star Wars. Voilà, figurine de collection. Que si un jour je fais des échanges, ce qui m'étonnerait fortement, que je ne l'échangerai pas, mais c'est pas encore le cas. Et ici, du coup, on a une sorte de petit canon que je pousse. Juste ici, en rouge, là. Touché. Voilà. Et ici, on a un petit coffre. Donc le petit coffre que je vais venir prendre et que je vais vous montrer plus en détail. Donc on a juste à l'ouvrir. Et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur, des billets de banque. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez déjà que je fasse d'autres vidéos dans ce style-là, même si c'est déjà prévu. Et surtout que je vous montre comment faire ce petit coffre que je trouve assez stylé. C'est très simple, ça prend pas des plombes non plus. N'hésitez pas. Voilà. Cette vidéo est ainsi terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Les petites briques ici, là, voilà. À vous abonner à la chaîne, c'est bien aussi ça. Vous prenez un risque. Peut-être que vous le regrettez. Non, mais non. Je parle trop. Voilà. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une toute prochaine vidéo. Ciao!